Bonjour à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Vous suivez actuellement l'émission de l'École des travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté pour cette deuxième partie. Alors le sujet pour cette deuxième partie, c'est le réseau, c'est-à-dire les partenariats avec les entreprises, ce qui permet aux élèves de pouvoir travailler la pratique au cœur même du métier. Mais il y a aussi le réseau avec la fédération, avec d'autres écoles. Et je tiens quand même à préciser que l'école fait partie du réseau Excellence DTP, ce qui n'est pas rien. Alors je suis bien accompagnée. Pour parler de ce réseau, nous sommes en présence de Pierre Massy, qui est le président de l'école des Gletons. Bonjour Pierre Massy. Bonjour. Nous sommes accompagnés également de Vincent Martin, président de la Fédération des travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour. Sophie Cahin, directrice influence de la Fédération nationale des travaux publics. Bienvenue Sophie. Bonjour. Et Léo Besançon, qui est apprenti donc dans l'entreprise Chopard Lallier. Alors Pierre Massy, on va démarrer ensemble. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les écoles des Gletons, justement? Faites attention, parce que je peux dire plein de mots à propos des écoles alors, des Gletons. Quelques. je vais essayer de me contenir. Très bien. Effectivement, les écoles des Gletons sont ici, presque chez elles, en Bourgogne et Franche-Comté, parce que l'histoire a amené nos belles écoles des Gletons qui ont été créées en 1943 à venir s'installer ici, dans le Jura, je pars sous le contrôle de Vincent, à Port-l'Aîné. Donc pendant une dizaine d'années, les écoles des Gletons se sont installées et ont formé des jeunes ici, dans le Jura. D'accord. Alors, les Gletons, l'histoire est ancienne, 78 ans, 1943, création de l'EATP. 1973, création du CFCTP, la formation continue, et 2003, et j'y reviendrai après, création de l'EFIATP. Donc, Aigleton aujourd'hui, ce sont 600 jeunes en formation initiale, 450 jeunes en apprentissage et en formation professionnelle, et puis 140, 150 000 heures de formation continue. Donc voilà ce qu'est Aigleton au sens large. Avec une très bonne réputation. Avec... effectivement, une réputation importante. Aigleton est une émanation, je le dis toujours, et l'école de la Fédération des travaux publics, la Fédération nationale. La grande chance que nous avons ici, dans notre profession, c'est que notre Fédération nationale et les entrepreneurs de travaux publics ont, depuis l'après-guerre, toujours soutenu et porté le système de formation. Mmh. Ça, c'est extrêmement important. On a rencontré tout à l'heure, on a vu Pierre Martin qui a été un élément évidemment déterminant ici pour l'école de Bourgogne-Franche-Comté, mais qui a aussi été un élément déterminant à Aigleton. Et il a été un de ces entrepreneurs qui ont permis à nos écoles de se développer. Donc, Aigleton, depuis 1980 environ, fonctionne avec un conseil d'administration dont l'ensemble des membres est issu de la Fédération nationale des travaux publics, nommée par le président Cavagnier. Donc ce sont des gens, comme ici à l'école de Bourgogne-Franche-Comté, ce sont des entrepreneurs, ce sont des hommes de terrain, ce sont des gens qui connaissent et qui savent ce dont les entreprises ont besoin. Donc, c'est très important parce que ça évite des erreurs, ça évite de se lancer dans des formations qui ne seraient pas adaptées. Et évidemment, ça fait la réussite et ça fait sans doute pour nos jeunes, et nous avons ici un jeune homme en formation ici à l'école de Bourgogne-Franche-Comté, ça fait pour nos jeunes des formations solides, de qualité, et qui ouvrent à l'emploi immédiatement. Oui, ce qui est quand même plutôt important. Donc, comme vous le dites, hein, la formation dans les TP s'appuie sur des centres de la profession, dont l'école des TP fait partie, comme vous venez de bien l'expliquer. Et vous, Pierre Massy, vu des Gletons, quelle image avez-vous de l'école des travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté? Cette image, l'image que j'ai de cette école de Bourgogne-Franche-Comté est d'abord une excellente image, c'est un centre de formation de qualité évidemment, qui a été créé, donc, nous le savons, par Pierre Martin. Pierre était, au moment où il a créé cette école, le président des écoles des Gletons. C'est pour ça que je dis qu'il y a... Vous avez un vrai lien. Un vrai lien entre nos écoles et les écoles de l'école des travaux publics de la Bourgogne-Franche-Comté. C'est Pierre qui a été l'initiateur ici de cette école, mais il était à ce moment-là le président des écoles des Gletons. Il a été ce président pendant 17 ans, ce qui est un vrai bail. Hein. Ce n'est pas passage. Il a marqué réellement les écoles des Gletons. Il les a tellement marquées qu'on a dit tout à l'heure, et je viens de le répéter, qu'il était le fondateur ici des écoles de Bourgogne-Franche-Comté, mais il a été aussi, au moment de sa présidence à Aigleton, l'initiateur, l'inventeur, j'allais dire,
de l'EFIA, de l'école de l'alternance à Égletton. Nous étions sur de la formation continue et de la formation initiale. Et en 2003, sous l'impulsion de Pierre, a été créée à Égletton la formation initiale. C'était nouveau, on a fait de l'alternance et on a fait de l'apprentissage. Donc Pierre a été extrêmement marqué, extrêmement important dans son passage. Évidemment, je le disais, le lien est d'autant plus fort. Pierre a été le président pendant les 7 ans. Vincent, aujourd'hui, est administrateur des écoles d'Égletton. Donc il y a un vrai lien. C'est important parce que nos écoles, j'allais dire, profitent les unes des autres. Et quand je dis ça, c'est au sens noble du terme. Elles s'apportent en permanence. On sent un esprit familial. Hein. Complètement. Je pense que c'est l'esprit des travaux de publics. De fait, mais... Alors, il y a cet esprit familial qui lie définitivement la famille Martin bien sûr, aux écoles d'Égletton. Mais on le sent dans votre discours, vous aussi, c'est que vous avez eu un vrai passage de relais et un vrai exemple de Pierre Martin que vous bien avez sûr. Tous suivi. Absolument. Et puis, je pense rajouter que les travaux publics sont une très grande famille. Sont une très grande famille. Et effectivement, nos centres de formation ont la chance de pouvoir travailler ensemble sans être dans une concurrence malsaine. C'est-à-dire que les uns et les autres profitent des expériences des uns et des autres. Vous êtes dans le conseil et vous avancez ensemble. Et toujours au profit des entreprises. Voilà. Donc aujourd'hui, évidemment, nous avons nos deux écoles travaillent ensemble sur un certain nombre de formations, en particulier sur des chefs d'équipe, en particulier sur des transferts de jeunes, c'est-à-dire que nous avons à Égletton un certain nombre de jeunes que nous ne recrutons pas et nous transmettons les coordonnées de ces jeunes pour qu'ils profitent évidemment à la profession. Mmh. Ce sont des jeunes qui sont extrêmement motivés pour venir travailler dans nos métiers des travaux publics. Il est dommage de ne pas pouvoir les accueillir, mais nous ne pouvons pas accueillir tout le monde. La plupart des jeunes qui s'engagent, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une base de motivation au départ. Sur une base de passion. Et de passion. C'est-à-dire que la plupart... C'est encore mieux. Ah oui, c'est... Et je pense que Léo Besançon nous en parlera tout à l'heure. Oui, il sera mieux placé là, pour en parler. Mais la plupart de nos jeunes, je le répète souvent, à Égletton, ne viennent pas par hasard. Les gens viennent parce qu'ils ont envie, ils sont motivés, ils Donc sont vous passionnés. Vous avez confiance en eux, tout de suite. Tout à fait, et c'est important. Et ils ont confiance en nous. Ils font confiance aux entrepreneurs que nous sommes et nous faisons confiance à cette jeunesse qui n'a qu'une envie, c'est intégrer les travaux publics. Ça ne peut que avancer dans le bon sens, dans ces conditions-là. Ah oui, je pense... Xavier Lugan n'est pas là tout de suite, mais je crois pouvoir dire assez facilement que les collaborations entre l'école de travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté et les écoles d'Égletton, ces collaborations vont perdurer encore de très longues années. On vous le souhaite. Merci beaucoup, Pierre Massy, pour tous ces mots. Vincent Martin, plein d'hommages hein, à votre papa. Donc, je pense que ça doit vous faire chaud au cœur. De votre côté, donc, la FRTP est un partenaire privilégié pour l'école. Vous le savez, vous êtes très bien placé en tant que président. Nous avons une question. Et si l'école n'existait pas? Ah, on serait mal, comme on dit. Il aurait fallu l'inventer. Comme les jeunes disent. écoutez, bon, tout d'abord, je suis très heureux, moi, qu'on rende hommage, mais qu'on fasse référence à mon père. Ça, j'en suis très fier. Et je crois que toute la profession en est fière aussi. Je dirais simplement, on a parlé de le but de la fédération, c'est aussi en tant que partenaire de l'école et aussi partenaire avec de l'école d'Égletton également, c'est vraiment d'être un partenaire actif. C'est-à-dire qu'on a, et vous constaterez tout au long de cet après-midi, qu'il y a un savoir-faire à l'école des travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté. Et je dis, il faut le faire savoir. Parce qu'aujourd'hui, il faut en parler, il faut dire, il faut mettre en avant les jeunes. Parce que la réussite de l'école, c'est aussi les jeunes. Sans jeunes, il n'y a pas d'école. Et ensuite, sans jeunes formés, sans collaborateurs, il n'y a pas d'entreprise. Donc, je crois que c'est une chaîne de valeur qu'il faut quand même rappeler, parce que sans ça, rien n'existe. Alors, les formations, elles sont réparties sur l'ensemble du territoire de la région Bourgogne-Franche-Comté, et elles proposent un panel de spécialités très riche, qui correspond évidemment, et qui sait s'adapter, parce que Pierre l'a tout à fait rappelé tout à l'heure avec Égletton, c'est la même chose en Bourgogne-Franche-Comté. Il faut l'avis des entrepreneurs. C'est les entrepreneurs qui doivent donner aussi, exprimer leurs besoins pour la suite, exprimer les besoins pour l'avenir de leurs entreprises,
On a dit, on l'a vu ce matin sur les différents plateaux, qu'on allait vers la relance verte, et c'est vrai, on est en plein dedans, et je crois que les métiers aussi se transforment, la digitalisation des matériels aussi, et je crois que on est aussi, nous, source de progrès dans les travaux publics. C'est un atout pour la profession de recrutement de personnel de qualité et des personnes qualifiées. Parce qu'on manque souvent de qualifications et dans notre manque de main-d'œuvre que l'on exprime au quotidien aujourd'hui dans nos entreprises, il est clair que c'est parce qu'on manque de compétences et qu'on peine à trouver de la compétence. Donc grâce à cette école, et malheureusement on n'en forme pas assez, on manque de compétences. Donc c'est pour ça que la compétence doit être au cœur de l'exigence notre école. Il faut rappeler, ça a été dit dans le film introductif tout à l'heure, mais que le taux d'employabilité à la sortie de l'école des TP de Bourgogne-Franche-Comté est supérieur à 90%. Donc ça, c'est quand même une fierté parce qu'il est évident que ça rassure les jeunes quand on voit ça, quand oui, on l'entend. Ils savent dans quoi ils s'engagent. Il y a tellement de formations, je ne dirais pas non qualifiantes, mais néanmoins qui ne permettent pas de visibilité certaine sur l'avenir. Mmh. Aujourd'hui, ils ont une formation, ils ont un job. Et ils ont une entreprise. Et ça, c'est hyper important parce que, et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut le faire savoir. L'école permet aussi de satisfaire tous les types de métiers, je l'ai rappelé, et ça va de toute la chaîne de valeur dans les entreprises. On commence par l'ouvrier d'exécution, conducteur d'engin, contremaître, chef d'équipe, chef de chantier, géomètre, conducteur de travaux, etc. Et surtout, on parlait aussi de l'ascenseur social, et je crois que c'est important qu'après, une fois avoir dispensé une bonne formation, bah, évidemment, ça permet aux jeunes d'être, bien dans sa tête et pouvoir évoluer au sein de l'entreprise également. Enfin, je dirais que les apprentis issus de l'école des TP de Bourgogne-Franche-Comté, ils se distinguent aussi dans le cadre de compétition. Ce sont des compétiteurs. Je fais allusion ici aux Olympiades des métiers, puisque en 2018, le binôme régional avait terminé sur la deuxième marche du podium national. Et on pouvait, nous, la profession, en être fiers. Oui. Cette année, encore, notre binôme sélectionné pour les épreuves nationales est 100% école des TP. Et vous aurez l'occasion de les découvrir dans quelques minutes. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, Vincent Martin. Effectivement, de belles recrues hein, à l'école des travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté. On en parlera dans quelques instants avec vous, Léo Besançon. Sophie Cain, je le rappelle, hein, vous êtes directrice influence de la Fédération nationale des travaux publics. Alors, vous avez plein de choses à nous dire, notamment aujourd'hui, je sais qu'il y a un gros projet de développement qui se met en place. On parle même de projet phare. Oui, hein, on peut le dire, ça s'appelle TP Demain. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous présenter ce qu'est TP Demain ? Bah écoutez, d'abord, je vous remercie de m'en donner l'occasion, parce qu'effectivement, je pense que c'est un projet phare, parce que c'est un projet qui va engager tout l'avenir de la profession avec la transformation numérique des formations et derrière des métiers, des compétences. Donc ça, c'est l'ambition globale de TP Demain. Vous évoquiez plutôt le thème de ce plateau qui est le réseau. Et effectivement, c'est un projet aussi qui s'inscrit totalement dans une logique de partenariat, de réseau avec l'ensemble des acteurs des travaux publics. Alors évidemment, la Fédération nationale qui représente les entreprises, mais aussi tous les centres de formation aujourd'hui qui sont engagés. Il y en a une dizaine. Et évidemment, l'École des travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté en font partie et fait même partie des premiers convaincus. Je ne mentionne même pas Aigleton parce que c'est un partenaire sans qui je n'y arriverai pas. Donc, c'est, voilà, qui est un maillon indispensable à la mise en œuvre de ce projet. Et en fait, à l'origine, il y a une idée qui était de dire il y a plusieurs années, donc, par le directeur de l'École des travaux publics de Normandie, qu'il fallait trouver un endroit où on puisse, au fond, aller chercher toutes les ressources nécessaires à la formation au savoir des travaux publics. Et cette bibliothèque des travaux publics, ces manuels scolaires n'existant pas, il a eu cette intuition que nous avons repris, que nous avons développé avec ce projet TP Demain, qui est aujourd'hui, en fait, une plateforme numérique de ressources pédagogiques avec l'ambition de couvrir tous les savoirs. Aujourd'hui, on a commencé par le CAP et on ira jusqu'au bac pro, mais je dirais d'ici l'année prochaine, fin d'année prochaine, d'aller jusqu'au diplôme d'ingénieur.
savoir pratique, mais aussi savoir théorique, mais aussi savoir pratique avec des vidéos gestes métiers qui seront d'ailleurs réalisées grâce à l'école des travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, donc derrière notre ambition, c'est que Léo puisse aller se former au métier de la canalisation, mais qu'il puisse aussi se former tout au long de sa vie. C'est-à-dire que cette plateforme, elle servira pour la formation initiale, mais elle servira aussi pour la formation continue, pour les demandeurs d'emploi. Nous avons aussi le souci d'associer tous nos partenaires, l'éducation nationale, l'AFPA, le 3CA BTP, toutes celles et ceux qui aujourd'hui forment nos jeunes au métier des travaux publics, parce qu'on voit bien qu'à la fin des fins, l'objectif, c'est évidemment de répondre à un besoin. Alors évidemment, avant la crise du Covid, ce besoin était très important de recrutement dans nos métiers. Et puis aussi, c'est l'occasion pour nous, grâce à une plateforme comme celle-ci, de diffuser les nouveaux savoirs, les nouvelles compétences. Donc on a, par exemple, développé une formation autour du BIM, que tu pourras découvrir, Léo, j'espère que tu le feras. C'est une invitation, autour du Léo. BIM et aussi autour de l'économie circulaire. Donc tous ces nouveaux savoirs, ces nouvelles formations seront disponibles sur TP Demain. Je pense que c'est important aussi pour les formateurs, puisque c'est évidemment grâce à eux que cette plateforme pourra fonctionner et sera efficace. Ils pourront à la fois interagir avec leurs élèves, construire leur propre parcours de formation. Et évidemment, je compte sur eux. Donc, c'est aussi un appel à tous les formateurs de travaux publics qui m'entendent de venir contribuer à la production de ces ressources pédagogiques qui sont absolument fondamentales aujourd'hui au partage du savoir et à l'amélioration de l'offre de formation dans les TP. Et donc créer un intérêt beaucoup plus général aussi, peut-être pour attirer d'autres Bien personnes sûr. Qui ne sauraient pas sur quoi s'orienter et avoir accès, parce que je crois ne pas me tromper, hein, vous m'arrêtez si je me trompe Sophie, mais TP Demain sera donc ou est accessible à tous et gratuitement, c'est bien ça? Tout à fait, c'est un site internet. Donc c'est vrai que notre volonté était, en tout cas pour la partie consultation des ressources, de garantir un accès gratuit et universel, parce qu'il y a aussi des enjeux de culture générale pour un jeune élève en troisième qui fait un exposé sur les ponts, par exemple, oui. Il pourra venir se renseigner. Et puis, globalement, c'est aussi l'idée d'être dans l'intérêt général de la profession avec cette plateforme et de garantir à tous les apprenants, qu'ils soient du Grand Est, de Corrèze, qu'ils soient formés dans l'éducation nationale ou dans nos centres de formation, de bénéficier de la même qualité de savoir. Pour un vrai pied d'égalité. Exactement. Et évidemment, derrière, un enjeu d'attractivité absolument fondamental, notamment sur les nouveaux enjeux de la transition écologique, puisqu'on voit bien que les infrastructures, les métiers des travaux publics vont jouer un rôle absolument fondamental dans cette transition. Et je pense que dans les années à venir, il va falloir former beaucoup à ces métiers. Et c'est aussi l'objectif, évidemment, que poursuit la plateforme. Très bien, merci beaucoup Sophie Quin. Alors je vous propose tout de suite à tous de regarder l'interview de Pascal Giraud, qui est lui-même formateur et qui a suivi cette formation. Donc voilà, allons voir ce que ce monsieur en pense de TP Demain. Un outil numérique innovant, ce qui va permettre de faire évoluer nos pratiques pédagogiques. Les ressources déposées sur TP Demain vont enrichir nos contenus de formation et les faire évoluer. Cette plateforme collaborative dispose de nombreux contenus qui sont vérifiés et validés. Nos apprenants peuvent y accéder via leur outil numérique, smartphone, tablette. Enfin, TP Demain dispose de nombreux modules d'évaluation, ce qui va permettre de suivre et d'évaluer nos apprenants sur le parcours assigné. Voilà Sophie, donc le témoignage de Pascal Giraud. Est-ce que son témoignage vous fait plaisir? Est-ce que c'est comme cela que vous vouliez que TP Demain soit perçu? Bien sûr, déjà je suis très, très fière puisque c'est un formateur qui s'est manifestement approprié le fonctionnement de la plateforme. Donc, c'est encore mieux. Ça veut dire que l'objectif pour l'instant est rempli. Et évidemment, je souhaite qu'un maximum de formateurs, et c'est aussi le rôle qui est le nôtre, c'est d'accompagner toutes celles et ceux qui le souhaitent à se former, à utiliser la plateforme pour derrière effectivement profiter de tous ces savoirs. Et donc j'espère qu'évidemment, il pourra lui aussi contribuer dans le temps à l'amélioration de la plateforme et à la mise à jour de nos ressources pédagogiques, puisque c'est aussi un objectif très important.
On voit bien que d'une année à l'autre, il peut y avoir des réformes réglementaires, il peut y avoir des évolutions. Il faut savoir s'adapter. Et donc, il faut savoir s'adapter. C'est aussi le rôle de la plateforme de le faire. Eh ben, très bien. Merci beaucoup de nous en avoir parlé. On continuera de vous suivre, évidemment, sur l'évolution de TP demain. À présent, je vais vous parler du plus grand concours des métiers du TP. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Vincent Martin, ce sont les Olympiades. Alors, les Olympiades, vous en avez certainement déjà entendu parler. Eh bien, ce concours permet justement de promouvoir ces métiers auprès d'un large public grâce aux épreuves régionales. Alors, je crois que ce sont des épreuves qui se font sur deux jours. Donc, il y a deux métiers. Hein. Je m'adresse du coup à Léo Besançon, que je vais vous présenter d'ici quelques instants. Donc, vous allez nous l'expliquer un petit peu mieux que moi. Léo Besançon, vous avez 19 ans. Vous êtes apprenti dans la société Chopard à l'Allier, mais aussi, voilà, le champion régional 2020 pour le métier de canalisateur. C'est bien ça. Je ne me suis pas trompée. Donc, félicitations quand même, hein, je tiens à vous le dire. Et je pense que tout le monde ici sur ce plateau est fier de votre parcours. Donc, tu as débuté avec un CAP, canalisateur, puis un bac pro TP, hein, c'est ça? Et puis, tu continues aujourd'hui sur un bac plus 2. Donc, tu as participé aux épreuves des Olympiades des métiers. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces épreuves, justement? Comment elles se sont déroulées? Comment ça se passe pour qu'on puisse s'imaginer devant ce concours? Alors déjà, il y a des présélections avant d'atteindre les épreuves régionales. D'accord. C'est qu'on a un exercice avec des tuyaux, différentes pièces d'un réseau de... À réaliser, voilà. Oui. Et puis on est noté sur la précision beaucoup, l'organisation aussi de notre espace de travail, et puis la sécurité. Et tu as dû beaucoup travailler justement pour... Oui, je me suis entraîné. Beaucoup, oui. Beaucoup, oui. Puis il faut vraiment être rigoureux, ça se joue à quelques millimètres. Ah oui, donc c'est certainement pas évident de voir la différence entre deux travaux quand on est juré de ce genre d'examen, j'imagine. Et qu'est-ce que cela t'a apporté personnellement et professionnellement d'être aujourd'hui le champion régional? Personnellement, la fierté. Oui, parce que c'est quand même pas rien. Et puis, c'était aussi une façon à moi d'honorer le temps qu'ont passé mon maître d'apprentissage et mon école. Sur le plan professionnel, la reconnaissance de la part des entreprises et puis voilà. Vous parlez de votre maître de stage, Léo. Je suis bien informée. Hein. Je sais que vous êtes très, très, très apprécié dans l'entreprise dans laquelle vous êtes apprenti pour vos valeurs et votre implication. On le sent hein, dans votre discours. Et justement, Adrien Chopard, l'Allier, avait un petit message pour vous. Regardez. Déjà, sa simplicité, sa motivation, très, très important, et sa curiosité, toujours l'envie d'apprendre et d'apprendre de nouvelles choses. Bon, c'est une épreuve assez technique et il demande minutieux, donc ça lui correspond bien, donc au final, non. Déjà grâce à lui, hein, c'est lui qui a fait le job. Grâce à sa formation au CFA, hein, technique, peut-être un peu son apprentissage dans l'entreprise. Ça fait 4 ans qu'il est dans l'entreprise, donc je pense qu'on lui a quand même appris certaines choses. Alors dans 10 ans, j'espère qu'il sera toujours dans l'entreprise. Qui pourra grandir avec l'entreprise, suivant le développement de l'entreprise, en tant que chef de chantier. Et j'espère un jour lui proposer d'autres postes qui emmèneront peut-être plus de responsabilités. Déjà, félicitations pour ton parcours, pour ton épreuve aux Olympiades. Pour ton parcours d'apprenti, tu as commencé à 15 ans chez nous. Ça fait 5 ans, donc CAP, bac pro, et maintenant formation de chef de chantier. Donc voilà, on t'a vu grandir et on est content, pourvu que ça continue. Alors nous sentons qu'il y a un réel attachement pour vous, Léo, dans l'entreprise Chopard l'Allier, puis visiblement un bel avenir aussi qui vous attend au sein de l'entreprise. Je pense que la route est tracée. Et concernant les régionales, donc c'est super, vous êtes champion, mais est-ce que vous vous sentez prêt et confiant pour les épreuves nationales? Oui,
Je m'y entraîne beaucoup, là. On se prépare avec c'est un oui franc, hein. C'est ah ça oui. qui est bien. Bah, il faut. Bah oui, ah vous avez oui. raison. C'est un niveau très relevé, donc il faut être sûr de soi. Il faut donner le maximum de soi-même. Et, puis... et comment vous faites pour vous entraîner? C'est après le boulot? C'est le week-end? Oui, c'est ça? C'est après, oui, les heures de travail, le week-end, pendant les vacances. Vous êtes un vrai passionné. Oui. Ça se sent. Bravo à vous. Donc, je le rappelle, hein, vous êtes champion régional donc, des Olympiades dans la catégorie canalisation. Mais comme je l'ai dit en tout début de ce plateau, donc, il y a deux métiers. Et il y a un autre champion régional, donc pour la catégorie, cette fois-ci, aménagement de voirie. Ce garçon, c'est l'apprenti Baptiste Caillot. Que vous connaissez, donc il n'est pas présent, mais nous le saluons. Et nous avons également une petite vidéo qui lui est consacrée avec Nicolas Pontaillé de Rovia. Regardons. J'aime beaucoup l'esprit de compétition. J'aime aussi m'auto-évaluer pour savoir les compétences que j'ai dans le métier. Et quand j'ai proposé ce choix à mon entreprise, elle était très favorable. C'est un jeune qu'on accompagne depuis 2017 jusqu'à maintenant. De 2017 à 2019, donc il a acquis en 2019 son CAP constructeur de route. Et aujourd'hui, il est en formation donc, pour son bac pro en 2021. Donc c'est la dernière ligne droite pour Baptiste. Donc on est très fiers de lui et on l'a bien encouragé jusqu'à présent. Alors non, je pensais pas remporter cette épreuve parce que j'étais pas sûr de moi, j'avais peur. Et quand j'ai fait l'ouvrage, on était beaucoup, beaucoup à vouloir faire ça, beaucoup à vouloir finir premier en Bourgogne. Et finalement, quand on avait fini les épreuves, que les juges étaient en train de regarder, de noter, j'ai un peu regardé les ouvrages qu'avaient fait les autres. Et je me suis dit que c'était pas si mal parce qu'il y a des petits défauts que les autres avaient que moi j'avais pas qui m'ont sûrement permis d'avoir ma chance pour les nationales. Alors nous n'avons eu aucun doute à suivre Baptiste sur le concours des Olympiades. Il a juste reflété les couleurs de l'entreprise Rovia. Il a remporté ce prix auquel on est très très fiers. Ah bah pour les épreuves nationales, on est chaud avec Léo. L'entreprise de Rovia te suivra. On est chaud avec Léo. Bon bah voilà, il a la gagne, hein. Lui aussi, comme vous. La niaque. Vous y allez vraiment en mode équipe, tous les deux. Vous vous soutenez mutuellement, oui. Chacun pour vos épreuves. Oui, bah il faut parce que c'est en binôme. On va devoir s'aider pendant les épreuves. Ah, donc, voilà. Il faut qu'on se connaisse, qu'on connaisse nos habitudes. Bon ben, bah, écoutez, moi je vous donne rendez-vous sur ce plateau. En tant que champion national, hein, on est d'accord, on peut lui souhaiter. Oui. On va vous suivre, Léo. Peut-être un petit mot pour conclure, Pierre Massy. Oui, vous voyez, Léo vient de nous le dire, et son collègue, les travaux publics, c'est un métier d'équipe. Oui. Et ce qui est génial, c'est de trouver ces jeunes avec une volonté de fer, d'acier, qui ont envie absolument de se faire honneur, bravo pour ce que tu as déjà réalisé, de faire honneur à leur entreprise, de faire honneur à la profession. Et ça, c'est génial. Et c'est d'abord, je trouve, très rassurant. C'est très rassurant d'avoir ces jeunes qui sont avec une telle motivation, une telle envie. Ça donne beaucoup d'espoir. Mmh. Et puis surtout, nos entreprises qui perdurent et nos systèmes de formation qui sont là depuis tellement d'années, c'est aussi rassurant de voir que les gens jeunes, ce jeune-là, Léo, je n'ai pas de doute, sera un ambassadeur extraordinaire de notre profession auprès de plus jeunes. Parce que dans quelques années, je suis sûr que Léo, il encadrera des jeunes apprentis quand il sera chef de chantier. Mmh. Et ça, c'est le passage de relais, la transmission, forme de compagnonnage qui existe dans nos entreprises sans être nommé ainsi. Mmh, mmh. Mais c'est une forme de compagnonnage et je trouve que ça, c'est plutôt sain. Tout à l'heure, Vincent a parlé des savoir-faire qu'on enseignait à nos jeunes. Mais il y a aussi une chose extrêmement importante qu'on enseigne, c'est le savoir-être. Et dans nos écoles, que ce soit ici, je suis sûr, en Bourgogne-Franche-Comté ou à Aigleton, dont on parlait tout à l'heure, on ne marche jamais que sur ces deux jambes. La première jambe, c'est le savoir-faire, évidemment. Il faut que nos jeunes sachent construire des routes, faire de la canalisation. Mais il faut aussi qu'ils aient le savoir-être
qu'ils sachent se respecter, qu'ils sachent travailler en équipe. Et ça, ce sont des choses, des éléments absolument importants. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas. C'est quelque chose qu'on a en soi lorsque l'on est passionné aussi, alors, ce savoir-être. Ce savoir-être, on ne l'apprend pas, mais quand même, dans nos centres de formation, c'est quelque chose que... Vous les guidez. On les guide et on le travaille quand même. D'accord. On va plus loin, on travaille le naturel, j'allais dire, la base est saine en général, mais c'est important. Savoir-être, savoir-faire, ce sont à mon avis deux caractéristiques importantes des compagnons de nos entreprises. Qui vous définissent. Et il faut le faire savoir, hein, comme vous le disiez tout à l'heure, Vincent Martin, peut-être quelque chose à ajouter avant de conclure cette deuxième partie. Oui, moi je tiens tout d'abord à leur dire bravo, les féliciter, leur dire que la profession des TP, en particulier en Bourgogne-Franche-Comté, est fière de vous. Et vous pouvez compter sur nous pour vous soutenir, hein, haut et fort. Et je conclurai en rebondissant sur ce que disait Sophie tout à l'heure sur les entreprises avant la crise Covid, mais même pendant la crise Covid, après la crise Covid, nous avons toujours autant besoin de compétences et de jeunes de recruter. Et la particularité des TP, c'est que même en période difficile, et en Bourgogne-Franche-Comté en particulier, on a toujours maintenu les efforts de formation. Ça, toujours, ça a été une priorité pour vous assurer aussi de l'avenir, que vous ayez confiance en vous. Et là-dessus, nous, on est là pour justement vous apporter de la visibilité et vous dire que les entreprises de TP ne s'arrêtent jamais. Même en période difficile, eh ben, on serre tous les coudes, mais on maintient l'apprentissage, on maintient les jeunes. Et je crois que ça, c'est très important de le souligner dans cette période que nous traversons. Donc, bravo encore à vous deux. Et merde, comme on dit. Merci. Merci, merci beaucoup à tous. Merci Pierre, merci Vincent, merci Sophie, merci Léo. Voilà, restez avec nous tout de suite. La troisième et dernière partie de notre programme. On laisse donc la place aux jeunes. Ne bougez pas.